La demande de divorce entre Kim Kardashian et Kanye West est survenue en début de cette année. Seulement, malgré cela, l'ancien couple n'a jamais cessé de se soutenir mutuellement. D'ailleurs, Kanye West, récemment renommé Ye, prouve cette proximité en prenant la défense de Kim Kardashian. En effet, le rappeur a dénoncé les détracteurs qui veulent empêcher que Kim Kardashian devienne avocate. Si est-il lors d'une interview au podcast Drink Champs de N. ORE et DJ FN que l'artiste cesse d'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que Kim Kardashian devienne avocate, parce que vous savez ce qui se passe quand Kim Kardashian devient avocate ? Avait-il confié lors du podcast. Cette chemise prend un peu de hauteur, a-t-il ajouté. Ce sont des filles de 14 ans, des filles de 17 ans qui posent un peu qu'elles veulent devenir avocates. Elle touche les gens de cette manière, et il y a des gens qui ne veulent pas qu'elle touche les femmes de cette manière. Ils veulent qu'elle les touche d'une autre manière, toujours d'après lui. Si est un idiot qui enseigne à ma femme lors du même podcast, Kanye West a également fait l'éloge de Kim. Ma femme était en session avec l'avocat qui la formait, et l'avocat a commencé à faire de mauvaises suggestions, et j'étais comme, mec, ce mec est un idiot. Si est-il un idiot qui enseigne à ma femme. Elle va échouer au barreau une troisième fois, avait-il confié. Ce qui est une preuve que la proximité entre la star de télé-réalité et le rappeur n'est pas perdue. Une situation aussi émouvante que celle où lors de l'écoute de l'album de Kanye West, Donda, le 22 juillet dernier, le rappeur avait chanté devant Kim Kardashian qu'il avait perdu sa famille. Loading DJ.